Alors, dans ce court vidéo, je vais vous montrer comment on installe un attel portatif temporaire pour membres, type sous vide, comme les matelas coquilles. Donc, c'est le même principe que les matelas coquilles qu'on utilise en préhospitalier, sauf que c'est pour tout le corps. Ça, c'est une version plus petite qu'on va utiliser pour stabiliser un membre. Il y a trois grandeurs que nous avons à l'urgence ici. Ça, c'est le petit, il y a un moyen et un grand. Évidemment, le moyen et le grand probablement serait pour un membre inférieur. Celui-ci serait plus compatible avec un membre supérieur. Donc, faisons semblant que notre mannequin ici a une fracture du bras évidente avec déformation, souffrant. Donc, on veut mettre une attelle temporaire pour soulager sa douleur. Donc, on prend tout simplement cette attelle qui est, vous voyez, toute molle. Idéalement, ce serait à deux. Je pense que ça fonctionnerait mieux. Tout simplement glisser l'attelle sous le membre. Par la suite, envelopper le membre avec l'attelle. Il y a une valve ici qu'on doit rester dans la position ouverte avant qu'on puisse faire le vide dans le matelas, dans l'attelle. Fait qu'on tient notre attelle comme ça, mettre la suction au niveau de l'attelle. Et en dedans de quelques secondes, l'attelle est maintenant dure. On doit maintenant fermer la valve afin de garder le vide dans l'attelle. Enlève la suction. Maintenant, l'attelle est dure. Moulée sur le bras de l'enfant. Il s'agit juste de compléter en attachant les petites bandelettes de velcro. Afin de stabiliser le tout. Et voilà. Maintenant, nous avons le membre inférieur bien immobilisé, confortable, moulé. Notre enfant a maintenant un sourire. Et le tout se fait en quelques secondes. Pour le défaire par la suite, une fois qu'on a terminé, il s'agit tout simplement de, lorsque le moment est bien, on ouvre la valve tout simplement. L'attelle devient toute mou et on peut facilement l'enlever à ce moment-là. Et le nettoyer et le réutiliser pour le prochain patient.